Eh bien salut à tous et à tous, c'est Marty Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout pour la suite de Beyond Two Souls. Voilà, donc pour ceux qui viennent d'arriver, je sais, je me répète, mais on s'était arrêté quand Jugi a... Enfin, des scientifiques ont réussi à ouvrir une porte vers le monde d'Aiden, voilà. Et Jugi, voilà, comme il y avait des sortes d'entités en fait, voilà, qui sont sorties, qui ont attaqué les scientifiques, et ben il n'y avait que Judy, voilà, pour les arrêter. Donc ils ont envoyé Judy, voilà, et donc bah, tout s'est bien passé, on a réussi à faire la mission, voilà. Donc on s'était arrêté là, voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas trop compris mon résumé, je vous invite à aller voir, bah, mon, voilà, donc le cinquième épisode je crois, voilà, et puis les autres si au cas où vous les avez pas vus. Et puis, bah, je vous souhaite une très bonne vidéo. Sans abri. Ah, bah super, on va être à la rue. Bon, bah voilà. Hein. C'est super ça. Hein. À la rue. Qu'est-ce qui a bien pu nous arriver? Bah déjà, il neige. Donc déjà on est dans une ville, on dirait, ouais, c'est Noël, voilà. Donc je sais pas, ouais, on va bien voir ce qui s'est passé. Bah tiens, elle est là. Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver? Est-ce que c'est après être fugitive? Je sais pas. S'il faut, c'est peut-être après être recherchée, peut-être qu'elle est ici. Je sais pas. On va bien voir. Eden, il peut... Ouh là là, ah oui quand même. Qu'est-ce que... Ouais, il y a des entités autour d'elle. C'est quoi ce bordel? Et Eden, il fait rien, on dirait. On dirait qu'on peut rien faire. Ouais, c'est extrêmement bizarre. Nathan. Ah. Tati, où est-ce que tu es? Ils sont là. Il y en a plein partout. Tati, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis fatiguée. Je suis tellement fatiguée. Je vais pas m'en sortir. Dis-moi où est-ce que tu es? J'arrive. J'arrive tout de suite, Tati. Tati. Elle a pas voulu lui dire où est-ce qu'elle est. Ouais, donc quand elle a dit qu'il y en avait plein partout, elle devait sûrement parler des entités autour d'elle. Mais on sait pas ce qu'ils foutent là en fait, hein, franchement. Ouais, et on peut vraiment pas s'éloigner, ouais, de Juju. Vraiment, on reste ici. Et ils tournent autour d'elle en fait, ouais. Ils sont deux, et ils tournent autour d'elle. Je sais pas où est-ce qu'il faut aller, il faut peut-être sûrement aller tout droit, je sais pas. Il y a un mec. Déjà ce type de chien là. Ah voilà. Voilà, déjà on a... Voilà. Ah putain, il revient ce type de chien. Ouais, c'est d'accord aussi. Il y a un mec là, il faut le faire réagir. Hein? Oh tiens, c'est celui qu'on a vu au tout début. Quand elle avait la cicatrice et tout. Ouais. Quand elle avait la cicatrice, on a vu un flashback quand elle se faisait courser et lui.
Bon, mec, il faut combien de choses là pour faire agir, putain? Ok, qui est là? Je deviens fou, quoi. Ah ouais, c'est lui, c'est lui. Bah déjà c'est sympa parce que déjà il nous a aidés. Je dis non! Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, petite. Il va y avoir un incendie, je sais pas. À croire que tu te réveillerais pas. Où est-ce qu'on est? Ah, t'es chez moi, petite. Pas très luxueux, mais... C'est calme. Je t'ai trouvé dans la rue il y a quelques jours. T'étais mal en point. Vous vous êtes occupé de moi? Bah, tu parles, il fallait bien. Fallait pas te laisser là, crever comme un chien dans la rue. Je m'appelle Stan. Et toi? Jody. Bon, déjà, on lui a dit notre vrai prénom déjà. Ça, c'est déjà bien. J'aime avoir de la compagnie de temps en temps. Tu veux du café? Il est fort, il a un sale goût, mais. C'est gentil. Bah c'est rien, mais bon c'est déjà gentil quoi qu'il nous donne à boire. Ça fait longtemps que t'es à la rue, petite. Se relever, mentir, vérité, élucider. Ouais, non, on va dire la vérité. Semaine. Un truc comme ça. Ça fait 3 ans pour moi. 3 ans. Je sais pas combien de fois j'ai failli disjoncter, devenir complètement fou. Mais faut croire qu'on s'habitue à tout. Même à vivre avec rien. Je suis quelqu'un? Tes parents? Ton petit ami? Un truc comme ça? Non. La vérité? Non, rien de tout ça. Des problèmes avec la loi, hein. Ah, il a deviné tout seul. De toute façon. Du moment que t'as tué personne, pas de soucis. T'as un endroit où aller? La famille? Des amis ou des proches? Éluder, vérité, vérité. Ouais, il y a peut-être quelqu'un, mais je veux pas le voir. Pas comme ça. D'accord. Bah, parce qu'au moins, comme on dit la vérité, déjà, bon, il a l'air sympa, parce ouais, qu'il nous a aidés. Et puis, chose, mais... déjà, au moins, ça nous apprend déjà qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Ce qui est à moi est à toi. Merci. Tiens, on va se réchauffer. En sale état quand même. Il y a d'autres mondes. Une gonzesse là. Réchauffe à côté de la gonzesse. Bon, on va lui parler. Parce que je sais pas. Mais merde, mais non. Ah, elle est enceinte. Ah ouais, carrément. Ah ouais, non mais là c'est chaud quand même. Je peux pas lui parler? Je peux pas lui parler, d'accord.
Alors, il y a un autre mec là-bas. Oh, moi, il a de la musique. Un alcoolo. On peut parler à personne en fait pour l'instant. Un autre mec. T'as ressuscité ma petite. Ah, lui, c'est un drogué. Alcoolo, drogué, femme enceinte. Merci. Aiden, qui sait pas rien faire là. Il peut me tric. Ah ouais. On dirait qu'elle veut dire quelque chose. Wouah. Ah oui, c'est chaud là. Attends, on va lui demander. Remercie, aider, se relever, aider. Pourquoi tu m'as aidé? J'allais pas te laisser mourir de froid. Je pouvais t'aider, alors je l'ai fait. C'est pas grand chose. Autre, remercier. Donc remercier, on va le remercier, c'est extrêmement gentil. Merci Stan. Faire confiance, autre, se relever. On va lui faire confiance, il a l'air d'être sympa. J'aurais préféré que tu me sauves pas. Ah, calme, d'accord. Je sais, petite. Je sais. On passe tous par là. Parfois, faut savoir s'accrocher et attendre que ça passe. Écoute, tout le monde ici a sa place. Faut juste un peu de temps pour savoir où elle est. Autre ou se relever. On va essayer autre. Tu connais les autres ? Là-bas, c'est Walter. Bon, il avait un peu trop de coude, mais c'est un bon gars. Là, c'est Jimmy. Il vaut mieux le laisser quand il n'a pas sa cam. Cette fille, c'est Tuesday. Elle est enceinte. Bon gosse. D'accord, ok. Ah, c'est quand même chaud. Hein. Alors, on va essayer de voir là. Mais non, je veux pas que tu te réchauffes. Allez, pousse, c'est bon. On va essayer de voir la photo là. Ça doit être sûrement sa petite amie ou je sais pas, un truc genre. J'ai les résultats des tests, Stan. On va lui demander un truc, on va lui demander, ouais. Demander quand même. Je sais pas si Fouille peut plus nous en apprendre. Non, se relever, on peut rien lui demander. Bon, on va essayer d'aller causer avec les autres. Parce que bon, sinon il y a rien à faire. On peut pas causer avec eux. Hein. On peut causer, mais avec personne, quoi. Qu'est-ce que c'est ? Un couteau? Non, ça va. Ah, elle veut qu'on le prenne. Ah ouais, non, c'est chaud là. Remettre. Ah ouais, elle serait prête à se couper les veines quoi. Bon, on va voir là, je sais pas si on peut faire quelque chose. Non. Ah ouais, putain, mais c'est quand même beau. Hein. Ouais, ah, c'est une autoroute, d'accord. Eden, il peut pas faire quelque chose. D'accord, donc là il y a la route. Je sais pas, on peut rien faire là. Retourner, sauter. Non, retourner. Ah ouais, carrément.
Ouais, non, mais là c'est chaud. On n'a plus rien à manger. Il va falloir faire quelque chose. Tu. Putain, c'est chaud quand même. Ce serait pas ça à se couper les veines ou même à sauter que essayer de, bah, de vivre dans la merde quoi. Enfin, moi je peux pas imaginer puisque je peux pas vous. Mais bon, c'est sûr que ça doit être compliqué, mais bon. Voilà quoi. Vaut mieux vivre dans la merde que tuer quoi. Puisque bon, après, sinon. Voilà quoi. Faut qu'on se fasse 5 dollars, ça c'est pour un truc chaud. Mets-toi ici. Peut-être qu'avec le froid, les gens seront plus généreux. Putain, d'accord, ok. Froid, affamé, dollars, froid. On va se relever. Eston, je crois que ça sert à rien qu'on reste tous les deux au même endroit. Ouais. Je vais aller essayer par là. Bonne chance. Je pensais. Ouais, non, Julie, elle a plus d'identité là pour l'instant. Donc c'est déjà bien. On va essayer de voir là dans les alentours. Qu'est-ce qu'on peut faire? S'asseoir, ok. Au calme. On va se relever. On va se relever. Alors. On peut traverser déjà, ouais. On peut traverser la route ou pas? Ah ouais, on peut traverser la route. Je sais pas du tout ce qu'on peut faire. Ouais. Texte. Y a là, et va essayer de voir s'il n'y a pas des pièces. Ah non, ah, c'est pas mal ça. Bah, prendre, vas-y, c'est bon, tranquille, hein. C'est bon. Voilà, déjà, on s'est fait un peu de thune déjà. Il y a un resto, on peut rentrer dedans. Ah, ouais, on peut rentrer. Non, ça se fait pas. Non, non, on va pas manger, non. Non, vas-y, laisse. Qu'est-ce que tu veux? J'ai faim. Eh, mange comme ça. Vous auriez quelque chose? N'importe quoi. Barre-toi. Pas de clodo ici. Wow, partir, employé. Tiens, on va partir. Non, mais on va essayer de trouver de l'argent sans mendier. Enfin, trouver de l'argent sans mendier. Non, chérie. Tu veux gagner quelques dollars? Je peux peut-être t'aider. Méfiante, curieuse, va te foutre. Qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, je te rends un service. Et tu me rends un service. 10 dollars pour toi. Viens avec moi. Refuser. Je suis pas désespéré, fumier. Fous-toi tes 10 dollars où je pense. Kona. Il voulait qu'on fasse la pute. Alors, ouais. Je sais pas du tout ce qu'on peut faire. C'est ta guitare? Ouais. J'ai failli me geler les doigts tout à l'heure en essayant de jouer avec ce froid glacial. Eh ben, essayer de jouer. Tu veux essayer? Je te gêne pas. Bah ouais, vas-y. Hein.
Alors, L1. Mais franchement, elle a bien joué, bien chanté surtout, c'est ça le pire. Prends pas tout, laisse-le en jouer un peu quand même. Ah voilà. Merci. Bon, on va retourner voir l'autre. Ouais, je vais aller voir comment va Stan. Ça va? Pas top. Et toi? Jeudi, où est-ce que t'as dégoté tout ce fric? Je l'ai trouvé. Il y avait un gars avec une guitare et... Je joue de la guitare, alors... Enfin, je me suis fait quelques dollars. T'es à 15 dollars. Oh, c'est génial. C'est vraiment génial. Reste ici. Je vais lui chercher à manger. On attend, qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux dire qu'on est obligé d'attendre. Ouais, on peut pas bouger, ouais. Qu'est-ce que t'as derrière, Anessa? T'as gagné à la loterie, espèce d'enfoiré? Je veux pas d'emmerde. Des emmerdes? Des emmerdes? T'es pas... Putain, mais bon d'enfoiré. T'avais l'air de chercher les emmerdes? Allez, les gars. Ouais, c'est du bon mec. Merde. Putain, vas-y, vas-y. Cours. On la court. Je vais exploser la tronche à ce sale. Oh, reculez, je vous ferai pas de mal. Regardez. On dirait que ce putain de Clodo a une petite copine. Fim Saed, on va te montrer ce qu'on fait aux raclures dans ton genre qui squatte dans les rues. Petite garce. Mais merde, putain. Ah, ouais, bon, ça va, c'est bien rattrapé. Putain, mais ça m'énerve quand je me trompe. Voilà, bien ta gueule. Et merde. Ah, c'est selon l'angle en fait de la caméra en fait qu'il faut y aller en fait. Voilà. Ouais, moi... Ah merde. Moi j'ai fait la TIA, mon pote. Hein. Voilà, tiens ta mère. Voilà. Tu veux un coup de batte, toi? Cette pute est cinglée! Ça verra, t'inquiète. Je me barre d'ici!
Comment t'as fait ça? J'ai appris à me battre à l'armée. Non mais... ils étaient quatre, ces mecs. Et t'étais toute seule. Oh, quatre losers. Ils savaient pas se battre. Putain, ça va. Allez, on ferait mieux de se tirer avant que j'arrive. Ok. Bah putain, ça va. C'est bien se défendre. Des primes. Ah mais non, j'ai déjà fait de mon de façon tout à l'heure, donc Allez les gars, c'est prêt. Allez, on va bouffer. Ah ben voilà, ils se sont enfin levés, peut-être qu'on va pouvoir discuter. Allez Judy, viens te servir. Hey, je me mets où? J'ai même un peu de chocolat en dessert. Du chocolat? Ça fait tellement longtemps que je sais même plus le goût que ça a. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Stan? Je me suis battu. Et sans Jody, j'y serais resté. Vous auriez dû voir ça. Ils étaient quatre contre nous. Jody leur a botté le cul. Alors, bébé Jimmy Walter, agresseur. Walter? Comment t'es arrivé ici? Ben, j'étais prof dans un lycée. Jusqu'à ce que je puisse plus rembourser mon prêt, j'ai perdu ma maison, mon job, tous mes amis. Et je me suis retrouvé dans ce cul-de-sac. Putain. On va parler un peu des agresseurs. Tu connais ces gars? Ouais, je les ai déjà vus. Les gosses, ils viennent là pour tabasser du clodo. Ils se filment avec leur téléphone. J'imagine qu'ils font ça pour la frime. Ils font les malins devant leurs potes. Sacrée bande d'enfoirés. Ils m'ont eu un jour. Je m'en suis toujours parmi. Quand? Vous êtes là depuis longtemps? Bah, j'ai trouvé le pont il y a environ 6 mois. Tombé sur Walter. Jimmy est arrivé. Tuesday est ici depuis quoi? 3 semaines? Alors, Jimmy. Jimmy? Est-ce que ça va? J'ai froid. J'ai vraiment trop froid. La drogue. Et toi alors, Jody? Tu nous as presque rien dit sur toi. Alors, comment est-ce que tu as fini dans la rue? J'ai fait des choses dont je suis pas fière. Jusqu'à ce que je comprenne qu'on se servait de moi. Alors, dis la vérité. Enfin, en gros, quoi. Lucide, mais dis la vérité, quoi. Mais je suis différente. Et ça a foutu toute ma vie en l'air. T'as dit que t'étais différente, Jody. Comment ça? On va être sincères. Parce qu'ils ont l'air d'être très sympas, en fait. Je suis liée à une entité. Il s'appelle Aiden et... il me quitte jamais. D'ailleurs, il est là. Ils vont se foutre de sa gueule. Jimmy n'est pas le seul à avoir un problème de calme. Je l'avais dit. On peut faire quelque chose. Ouah! Attends. Ouah! Y'a personne! Ah ouais, non mais là c'est lourd par contre. Hein. Oh là là, my niggas. Ah ouais, non mais là c'est vraiment... ah merde, ils sont là. Ah ouais, ah ouais, putain, d'accord, ok. Alors, toi, t'as le fantôme de ta femme, il est là. Voilà, tu vois le truc? T'inquiète pas.
Alors. Merde, putain, je sais pas pourquoi ils se sont barrés. Voilà. Jody, ça va? Stan, mon amour. Jody, arrête, c'est pas le bad trip. Ça fait tellement longtemps, Stan. 4 longues années. Nancy. Oh, c'est mignon. Nancy, c'est bien toi? C'est bien moi, mon amour. Je ne suis pas partie. Je suis restée près de toi tout ce temps. C'est pas vrai. Ça me brise le cœur de te voir aussi seule, aussi désespérée. C'est dur, Nancy. C'est trop dur. Je me sens tellement vide sans toi, mon amour. Tellement vide. Arrête de vivre dans le passé, Stan. Rien ne changera ce qu'on a vécu tous les deux. Mais maintenant, tu dois reprendre ta vie. Trouver du travail. Tomber amoureux. Réapprendre à vivre. Pour moi, Stan. Fais-le pour moi. Qu'est-ce que tu me manques? T'imagines pas à quel point tu me manques? Putain! Ah, c'est émouvant quoi, parce que putain. 4 ans qu'elle est morte. C'est triste quoi. C'est un miracle. Ouais, un putain de miracle. Je dis. Le pauvre. Bon, Julie, elle va faire dodo. Ah, la couche. Ah. Bon, ben voilà quoi. Qu'est-ce qui se passe? Tuesday? Est-ce que... Elle a des contractions. Il faut une ambulance! Il nous faut carrément un hôpital! Non! Non! Non, pas l'hôpital! Ah! Ils vont prendre mon bébé! Non! Personne ne prendra mon bébé! Réfléchis une seconde, ma fille! Mais on n'a rien ici! On n'a pas de couverture, d'eau chaude! On n'a que dalle! Mon bébé! Ah! Non, je veux pas que mon Chut. Bébé meure! Attends, calme-toi! Calme-toi. On va trouver un truc. Ok. Ok, Jimmy. Au bout de la rue, il y a un bâtiment abandonné. Essaie d'y entrer. Allez, j'y vais. Phil. Walter, tu vas rester ici avec Tuesday, ok? Jody, suis-moi. On va chercher tout ce qu'il nous faut. Et toi, tu retiens ce bébé jusqu'à ce qu'on revienne, ok? Oui, je sais. Mais je vous préviens, vous avez intérêt à vous grouiller. Oh. Bon, bah ça a l'air d'être très très chaud. Donc les amis, voilà, c'est un épisode un peu court. Voilà, et excusez-moi aussi si je réagis pas trop, c'est juste qu'il y a des moments forts et tout que j'essaye pas de gâcher, voilà, puisque quand je parle, voilà, des fois je dis de la merde. Voilà, donc j'espère que en tout cas ce 6e épisode sur Beyond Two Souls vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, à mettre un petit commentaire. C'était Marty Gaming et puis je vous dis ciao. It's high.